أهلا وسهلا بكم يا جماعة الخير. جيسبر كو فوز الي بيان, جيسبر كو فو بورتي بيان, جيسبر كو فو باسي ان اغريابل اون اغريابل جورني دو فوندردي 7 افريل 2023. بور سيلي سو كي سونت اون كونجي لو ويكاند الجيريان, لو ويكاند الجيريان بروفيتي بيان يا جماعة, وصحة رمضانكم. جيسبر كو فوز الي تونيغ لو كو جوسكو فطور. Alors, ce vendredi, ce week-end va être ébranlé. Il a été ébranlé comme d'habitude par Majid Tebboune et ses sorties médiatiques cavalières. Majid Tebboune, c'est un véritable homme des médias. On peut reprocher beaucoup de choses à Majid Tebboune, mais en tout cas, c'est un homme qui aime parler, qui aime prendre la parole, qui aime les médias, qui aime les polémiques, qui aime les débats. Les débats, je ne dirais pas les débats contradictoires, mais qui aiment les polémiques. Parce qu'un débat, quand on parle de débat, cela devrait avoir lieu. On peut parler de débat lorsqu'il y a une contradiction. Voilà, il n'y a pas de contradiction avec Majid Tebboune. Majid Tebboune, il veut rencontrer des journalistes, il veut parler, que personne ne doit l'interrompre, personne ne doit le contredire, personne ne doit déranger ses certitudes. Il parle, il fait des déclarations. En tout cas, c'est un bon client pour les médias de Majid Tebboune. Il le confirme encore une fois pour la deuxième partie, où il y a la partie, apparemment, la version intégrale de l'entretien qu'il avait accordé le fin mars 2023 à Al Jazeera, à la célèbre animatrice et présentatrice d'Al Jazeera, l'algérienne Khadija Belghenna. Alors, le 22 mars dernier, Al Jazeera avait diffusé une première version qui, apparemment, pourrait la considérer comme une première partie qui englobait uniquement les points et les sujets internationaux. On a vu Majid Tebboune a parlé de l'Espagne, du Maroc, de la France, de l'Italie, de la guerre en Ukraine, etc. Et hier, le 6 avril 2023, pratiquement 15 jours après, Al Jazeera Podcast. Ils l'ont appelé Al Jazeera Podcast. Jazeera Podcast, donc, c'est apparemment la version intégrale. C'est pas la deuxième partie, mais c'est la version intégrale de l'interview qui a été publiée, une quarantaine de minutes, pratiquement 45 minutes, dans laquelle Majid Tebboune aborde des points, où il y a des sujets, où il y a des axes de la politique intérieure et du pays, en plus de certains événements internationaux qui concernent l'Algérie, où il y a les intérêts d'Algérie dans la région de l'Afrique du Nord, ou du Sahel. Et il a été donc interrogé, toujours par Khadija Belghenna, et lors de cette interview, nous allons essayer de la décortiquer, on va essayer de lui consacrer plusieurs émissions aujourd'hui, 7 avril et demain, 8 avril, parce que Majid Tebboune a dit beaucoup de choses, et comme à son habitude, beaucoup de contre-vérités, beaucoup de mauvaises informations, même si on sent qu'il a des intentions nobles, on sent que c'est un président qui ne maîtrise pas ses dossiers, et qui a des envolées lyriques comme ça, et ça donne à des envolées lyriques, qui malheureusement ne correspondent pas à la vérité du terrain, et la vérité des et les chiffres qu'il avance, encore une fois, sont des chiffres hallucinants, qui sont totalement démontés par la réalité du terrain, la réalité sociale et économique de l'Algérie. Donc, au bout cette première partie, cette première émission plutôt, on a droit à ce que Majid Tebboune a raconté sur l'inflation et la cherté de la vie. Et là, force est de constater qu'Majid Tebboune nous a raconté des oignons. T'as vu l'expression, raconter des salades, c'est-à-dire raconter des mensonges. Majid Tebboune ne raconte pas des salades, mais il raconte des oignons. Alech, Majid Tebboune, il a fait des déclarations, encore une fois, sur l'agriculture en Algérie. L'agriculture en Algérie peut satisfaire jusqu'à 90 à 95% des besoins de la population. Il a cité lui-même ces chiffres. Alors, nous chauffons l'entretien de Khadija Belghenna. L'interview est sur la chaîne YouTube d'Al Jazeera, Al Jazeera Podcast. Il donne des chiffres incroyables qu'aucun président algérien n'a pu donner ou n'osera peut-être donner. Comment on peut affirmer en 2023 que l'agriculture algérienne pourrait satisfaire de 90 à 95% des besoins alimentaires de la population algérienne? Ce qui est totalement faux. Ou quand il parle de l'inflation, il s'est donné l'analyse, pourquoi il n'y a pas un conseiller qui l'oriente? Ou les conseillers chargés des questions économiques? Le directeur de cabinet d'Al Majid Tebboune. Ils ont tellement peur de lui, ils croient qu'en se taisant, qu'en fermant les yeux sur ses dérives, sur ses fausses informations, sur ses déclarations fracassantes, ils pensent qu'ils sont en train de lui rendre service. Ce qui est totalement faux. Au contraire, les conseillers d'Al Majid Tebboune sont en train de le desservir, de lui causer du tort et de lui faire du mal. En profitant d'une tribune comme celle d'Al Jazeera, une tribune internationale, qui a une édition anglophone, qui est vue partout dans les quatre coins du monde arabe et du monde musulman, et qui a une audience internationale, quand un président dit des choses pareilles, ou des choses qui sont des choses pareilles, je parle de quand il donne des informations fausses
Et incorrect, c'est pas dit d'un État comme celui de l'Algérie. Ce n'est c'est pas du tout crédible, ça nuit à la crédibilité de l'Algérie. Regardez le nouveau plan d'agriculture. Il goûte la carte de magie, était bonne, 90 à 95%. Si on produisait autant, ou à l'âge l'oignon en Algérie, maintenant, il coûte 350 dinars. Ou à l'âge de ma cache. Le cas de Canada a une agriculture qui est puissante. Et si on pouvait avoir une surproduction, pourquoi l'oignon, la banane, la majorité des produits agricoles coûtent très cher et ils ont, leur prix ont augmenté de 40 à 50%. L'oignon, qui est le symbole de l'échec de la politique agricole du pays, on l'a expliqué mille fois, ses prix ont augmenté de 100% entre février 2022 et février 2023, à la veille du mois du Ramadan. Chiffre d'affaires, l'oignon dans les marchés a dépassé maintenant depuis la deuxième semaine du mois de Ramadan les 350 dinars. 300 à 350 dinars. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de production. Parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de production face à une demande qui est élevée. Et pourquoi il n'y a pas eu de production? Parce que l'agriculture algérienne, elle est déstructurée. Prendre de la sécheresse, l'indisponibilité de l'eau, problème de l'investissement, pas suffisamment d'investissement pour améliorer, pour une expansion du foncier agricole, pour construire de grandes fermes agricoles, pour équiper les agriculteurs, pour améliorer les conditions de travail des agriculteurs, pour leur donner des moyens de production modernes. Et troisièmement, c'est la politique de criminalisation de la spéculation et le placement en détention de plusieurs agriculteurs algériens, de plusieurs commerçants, de plusieurs intermédiaires dans les marchés agricoles au nom de la lutte contre la spéculation, où le stockage, l'entreposage et des produits agricoles frais dans les chambres froides, dans les entrepôts, a été considéré ou l'a assimilé à une pratique de manipulation des prix ou là une pratique de programmation de pénurie sur les marchés nationaux, ce qui a mené des dizaines de personnes dont des agriculteurs en prison avec en écopant de peine de 30 ans, 20 ans de prison ferme pour avoir stocké ou là entreposé des produits alimentaires. Du coup, les agriculteurs ne produisent plus assez, ils produisent uniquement de quoi mettre sur le marché national leur récolte. Les récoltes ont beaucoup faibli, les agriculteurs fournissent donc beaucoup moins d'efforts pour travailler, pour ne pas avoir de problème avec l'entreposage et le stockage des produits alimentaires dans les chambres froides, et de ne pas tomber sous le coup donc du contrôle ou là des principes très répressifs de la loi à fin décembre 2021, la loi contre criminalisant la spéculation, on en a déjà parlé dans plusieurs émissions via Algérie Part, et bien la production agricole a totalement chuté. A totalement chuté. L'oignon lui-même, Wahdou, prouve le dysfonctionnement et la déstructuration de l'agriculture algérienne. Wallah, il y a de l'agriculture qui peut produire jusqu'à 90% de ce que doit manger la population algérienne. C'est faux. Il connaît que la production agricole algérienne enregistre 34,5 milliards de dollars. Si on produisait autant, pourquoi l'Algérie importe chaque année entre 7 et 10 milliards de dollars de produits alimentaires? Si on avait une production agricole aussi importante, où les céréales, le sucre, les huiles, tout est importé depuis l'étranger, y compris les fruits et les légumes, y compris les viandes. Les viandes, c'est un dérivé. Si on avait une agriculture puissante, on aurait eu un élevage, un secteur d'élevage puissant. Pourquoi on importerait alors autant de viande? Mais en personne, Abdelmajid Tebboune, lors de la dernière rencontre entre les Wali et le gouvernement, a reconnu qu'il y a un problème au niveau de la fiabilité des statistiques. Il a donné un chiffre sur le cheptel en Algérie, où on considérait que le cheptel, il y a le cheptel ovin, c'est ça. Et Tebboune, il a reconnu qu'il y avait des erreurs énormes sur le nombre des têtes du cheptel ovin. Erreur dans les statistiques. Où est-ce que tu as bien récemment? Voilà, c'était le cheptel ovin. Abdelmajid Tebboune avait reconnu le 1er mars 2023. Je vous les contradictions. D'un côté, il donne des statistiques officielles, il affirme devant, sur les médias internationaux, face à des journalistes, face aux représentants des médias internationaux, il affirme, il défend les statistiques officielles, alors qu'il sait pertinemment qu'elles sont des statistiques fausses et infondées. Et d'un autre côté, auparavant, quelques semaines auparavant, il reconnaît lui-même qu'il y a un problème au niveau des statistiques. Ouchka, le 1er mars 2023, Abdelmajid Tebboune a reconnu que l'Algérie possède réellement 19 millions de têtes, tandis que les professionnels du secteur avançaient auparavant le chiffre de 29 millions de têtes. Et donc, ce qui concerne le cheptel ovin. Il y a où les cas là? Donc, il y a eu des fausses statistiques qui faussent les décisions qui ont été prises par les décideurs et par le gouvernement en Algérie. Abdelmajid Tebboune est arrivé bien en personne. Et donc, le cheptel ovin, tout ce qui concerne les moutons et tout ça.
Mais chez le bovin, le cheptel bovin, on est très faible malheureusement. Donc, d'un côté, Abdelmajid Tebboune fait des constats sur le véridique. Il se remet en cause, il reconnaît que nous n'avons pas de statistiques fiables. Mais quand il parle aux médias internationaux, il s'aventure dans des statistiques qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens, Yanni Ajma. Cette schizophrénie. À un moment donné, il faut se poser, il faut reconnaître que nous avons un gros problème. Par exemple, à Abdelmajid Tebboune, lors de la même rencontre, c'était le 28 février, je ne sais même pas le plus mémoire, c'était le 28 février, toujours lors de la rencontre où est le gouvernement, il a parlé d'une autre fausse vérité qui était longtemps propagée sur l'agriculture algérienne. On parle de 1,8 million d'hectares emblavés qui servent à la céréaliculture, alors que les chiffres officiels parlaient de 3 millions d'hectares. Qu'est-ce? Donc, mais on n'a pas de vrais chiffres sur l'agriculture algérienne, nous avons que des faux chiffres, des chiffres gonflés, surexagérés, manipulés, trafiqués, manipulés, surexagérés, gonflés, juste pour soigner le bilan du régime algérien dans le domaine de l'agriculture, qui est l'un des domaines où l'Algérie a failli, collectionne les faillites, alors que des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars ont été investis depuis l'indépendance du pays dans le développement agricole, dans le développement de l'agriculture. Donc, on a une agriculture qui peut nourrir 90 à 95% de notre population et qui peut satisfaire 95 à 90% de nos besoins alimentaires. C'est une blague. Personne ne peut prendre au sérieux cette déclaration. Personne ne peut prendre au sérieux ces informations. Si on avait une agriculture aussi puissante, on ne serait pas aussi dépendant de l'étranger pour se nourrir. On n'aurait pas un problème avec les bananes, pas de problème avec les oignons. Concernant l'inflation, Abdelmajid Tebboune a sorti une théorie. Et là, c'est la première fois que j'entends parler de cette théorie. Qu'est-ce que ça touche à déjà Bengana? Comment expliquer la cherté de la vie, l'inflation? Les Algériens veulent vivre comme les Européens. Oh, depuis quand les Algériens? On ne peut pas vivre comme les Européens quand le salaire moyen en Algérie est entre 250 et 240 euros. Alors que le salaire moyen en Europe, il est de 2000 euros. C'est pas normal. C'est pas possible, Yajma. Mais je ne connais aucun Algérien qui veut vivre comme les pays, comme les Européens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. On ne peut pas imiter l'Européen quand on a un salaire de 250 à 240, alors qu'en Europe, le salaire moyen il est entre 1500 et 1900 euros en général. C'est pas possible. L'Algérien, où il y a eu le rapport sur les inégalités dans le monde, les ménages algériens, les consommateurs algériens sont 10 fois plus pauvres que les consommateurs européens. Donc on ne peut pas consommer comme les Européens. L'inflation en Algérie n'a rien à voir avec le comportement des consommateurs. C'est un dérèglement de l'économie nationale qui ne produit pas assez pour avoir une offre qui peut satisfaire la demande. Ce n'est pas la demande qui est plus élevée en Algérie, c'est l'offre qui est faible. La demande des Algériens et d'Algériens n'est pas plus élevée que celle des consommateurs européens. C'est faux, on ne dépense pas plus qu'en Europe dans la nourriture ou dans les produits, dans la consommation quotidienne. Non, on ne consomme pas plus. Nous avons une consommation interne très faible. Et une fois, nous avons consacré d'ailleurs un sujet là-dessus, sur Algérie Pat, un beau décryptage que nous avions fait, qui avait d'ailleurs beaucoup intéressé notre communauté, parce que cette vidéo elle a beaucoup buzzé. La consommation interne, et on refera notre émission bientôt pour l'expliquer, la consommation interne en Algérie, elle est faible. C'est l'une des plus faibles au monde. Mais quand tu compares l'apport de la consommation interne et domestique, le PIB, la création de la richesse nationale, elle est faible. Ça, c'est très technique, très économique. On l'expliquera plus tard. Mais qui croit à l'imagité pour nous avoir amélioré le pouvoir d'achat de 2%? Ce qui est fou. Oui, tu as augmenté les salaires des fonctionnaires de 2%. Sauf que les fonctionnaires, il y en a à peine 3 millions. Alors que les travailleurs du secteur public sont à peine 4 millions et quelques. Mais le secteur privé, il y a 7 millions et quelques d'Algériennes et d'Algériens qui travaillent pour le secteur privé. Le premier secteur qui est employeur en Algérie, c'est le secteur privé. C'est pas la fonction publique, c'est pas les fonctionnaires, et c'est pas le secteur, c'est pas les entreprises étatiques. Le secteur privé n'a pas bénéficié d'aucune augmentation, mis à part celle de ne pas payer l'IRG pour les salariés de moins de 30 000 dinars.
Et encore, les salariés de Motorola Medina sont énormes. On parle de 3 millions d'Algériens qui sont payés moins de 30 000 dinars. Il n'y a même pas 50 euros. Il y a ni, subhanallah, ya jma'a. Comment on peut consommer comme les Européens quand on touche moins de 30 000 dinars? C'est pas possible. Réellement, le problème de la cherté de la vie en Algérie, c'est les salaires qui sont faibles et la production de l'économie nationale qui est très faible. Mais 5 millions d'Algériens, j'ai 3 millions, pardonnez-moi. 5 millions d'Algériens touchent un salaire des revenus de moins de 30 000 dinars. C'est énormissime. Donc, ce n'est pas le comportement du consommateur qui te connaît, c'est les salaires à 32%, ou l'inflation elle est à 9%. Oui, mais c'est le dinar, la valeur du dinar, elle est faible. Ou la majorité des produits agricoles et alimentaires, ils sont importés. Ou l'inflation 9-10%, c'était l'inflation, ça c'est l'inflation générale. L'inflation des produits alimentaires, elle est de plus de 15%, comme dans les pays européens. Et l'inflation et l'augmentation, l'inflation des produits agricoles frais, elle est de 25%. Et nous en avons parlé tout à l'heure aujourd'hui dans une émission précédente. Et on s'est appuyé sur l'indice des prix à la consommation de l'Office national des statistiques. Les prix des viandes ont augmenté de 45 à 50%. Donc, quand les prix augmentent de 45 à 50% et tu augmentes uniquement le salaire des fonctionnaires de 30%, de 32%, tu ne résous pas le problème puisque la majorité des salariés algériens ne sont pas dans la fonction publique, ils sont dans le privé. On a augmenté les salaires des serviteurs du régime. Belek Houma, ils ont subi, ils ont l'impact sur leur pouvoir d'achat de la cherté de la vie et de l'inflation est beaucoup plus limité. Parce qu'ils ont eu quelques augmentations. Mais il est relatif. C'est une limitation très relative de l'impact de la cherté de la vie. Parce que même les fonctionnaires, même les ministres en Algérie, avec leur salaire, 30 millions, ils ont été chimés à l'Azer. 30 millions. Mais ils ont été chimés. Tellement les prix ont augmenté. Ou c'est pas moi qui le dis. Si c'est l'indice des prix à la consommation de l'Office national des statistiques, organisme gouvernemental algérien. Donc, t'es bonne. Dans ces contradictions, dans ces déclarations Al Jazeera, il y a de nombreuses contradictions, de nombreuses malheureusement contre-vérités, de nombreux mensonges. On ne veut pas noircir l'image du pays. Monsieur le Président, on veut que l'Algérie soit un pays de gratte-ciel, un pays développé, de prospérité. Au contraire, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, nous sommes à l'Algérie Park. Nous sommes une force de proposition pour améliorer la situation du pays et pour améliorer le niveau de vie, la qualité de vie de notre population. Mais on ne peut pas noircir l'image du pays, valider les contre-vérités, les mensonges et les fake news des déclarations du président. Ce n'est pas rendre service au pays. Au contraire, c'est comme ça qu'on noircit l'image du pays. Personne ne... C'est au contraire, on est en train de porter préjudice à la crédibilité du pays. C'est le devoir de vérité et de transparence. Quand on donne des vraies statistiques, des vrais chiffres, et quand on regarde la réalité en face, qu'on peut la changer, l'améliorer. Tout n'est pas mauvais en Algérie, tout n'est pas bon non plus, mais avec les potentialités que nous avons, avec les richesses que nous avons, humaines et matérielles et naturelles que nous avons, l'Algérie a de quoi devenir une puissance économique, avec un taux de croissance de 8 à 10%. Et malheureusement, on patine dans l'inflation, dans la cherté de la vie, dans la misère, dans la précarité, et malheureusement, et surtout ça le danger, dans le mensonge. Aucun pays ne s'est développé dans le mensonge. Les pays ne se sont développés qu'avec l'effort. L'effort du travail. Le travail exige la rigueur et la discipline et l'abnégation, la détermination. Mais le mensonge n'a jamais mené un pays vers le développement.